Mais Mélie non plus, c'est pas gros. Les bébés, Ah. les bébés, Alors, est-ce que les Mélina est capable bébés, de deviner pour une les fois à propos bébés, du les vote qui est bébés, battu? les Clairvoyant dans le bébés. trolling. Oh. Aujourd'hui, il est défi Aidez-moi. d'une Ma scène pour les bibis. C'est ça que je me tais? Ah, il faudrait que je fasse une scène pour les bibis, vraiment, parce que là, je cache des trucs avec le plan là. Faudrait que j'y pense un La petit jour. scène, la scène, la scène. Besoin de scène? Demandez à Twinsen. Avec Team Uber, il vous fait des miracles. Et qu'elle pèse moisi en plus. Avec ton PC moisi. Ah, je suis Et t'as imbécile. vu, t'as fait une publicité. Attention, hein, je te Alors. rappelle que je te mets pas des trucs que je me mettrais moi à moi, attention. Ben bien sûr. Non, puis. Suis malin quand même. Bah oui, toi c'est toi, moi c'est moi. On va pas faire. Faut Ouais. garder nos styles respectifs. Ça m'intéresse pas, moi, d'avoir un copier-coller. De toute façon, c'est pas toi qui feras Pong. Hein. Ni Ah ouais, Crash. non. Pardon. Ah non. Ni Resident Evil 2. Ah non. Voilà. Pourtant, j'ai l'ISO là d'un Resident Evil sur ordinateur. Ni tu feras Sam et Max. Non, je rigole. Je sais pas si on l'a fait celui-là. Tu veux vraiment le supprimer ce son à force? À force qu'on le réclame, je vais le supprimer. Du coup, tu vas être sans son. Du coup, tu vas être sans son. Comme Comme ironique. Véronique. Et je vais supprimer un son, je vais pas supprimer tous les sons. Faut faire une nouvelle version où on n'entend plus mon rire parce que c'est nul. Il faudra que je me prenne le son, le roi des pirates aussi. Elle le fait tellement bien, Caroline Pascal. Le roi des pirates, c'est moi, elle le dit tellement mieux que Luffy. Oula, non, elle est terrible celle-là. Non, je vais pas prendre Non, ça, c'est nul. Caroline Pascal, c'est pas spécialement pour son physique. Ouais, Préfère. on en reparlera. Elle est juste mignonne, mais je préfère vraiment comme elle a une Elle est façon de canon. faire le roi des pirates. Fallait voir comment j'étais dans Tropico. D'ailleurs, il y a des demandes pour Tropico, mais c'est fini. Et qui j'aimerais refaire Sam et Max avec des scènes. C'est trop cool. Et Il le faire faut en 4 tiers. que je pense hors ligne à retrouver celles où vous avez fait des scores dans les cartes de la communauté, celles qui sont créées dans le monde entier, pour qu'on y revienne régulièrement. Enfin, que je les repointe et que je les enregistre comme favorites. Qu'on retente de rebattre leur corps s'il a été battu. Il y en avait des belles. Hein. Ah, t'as voté pour la 11. Ouais, c'est bien. Ah ben Allez, une toujours. dernière. Allez, Confusing Bastion, ça a l'air d'être pas mal. Allez, un grand prix de 16 courses. Ça va durer 1 heure, c'est sûr. Mais on se fait plaisir, c'est bien, on va rigoler ensemble. Allez-y. Point d'exclamation Ah player. merde. Vous avez 1 minute pour placer votre bibille. Et pas une de plus. Et on a dit une bibille, hein. Pas deux, ni trois, ni quatre, hein. Ah, t'aimes pas quand il joue avec son compte secondaire, tu ne sais. Une, la vie de Funpan et la vie de El Chito. Ça fait une. Non, non. Si. Si. Faudra Ah, en cette mettre un truc pas couleur. pour IP. Faudra mettre un truc pas pour IP, comme ça c'est plus simple. Bah, tant que c'est pas fait. Bah, le Je jour où voudrais c'est pas fait, être je à retire l'arbitre. Il officiellement de reste la 30 secondes. Merci. compétition. J'ai mon privilège de modérateur. Je sais quel décalage, mais. Je commençais à me faire peur. Vous. Ah oui, que j'affiche les. Alors, qui c'est qu'on va suivre? Ne t'inquiète pas, j'en en mets qu'une seule. Une fois que la course est partie, je vais bouffer. Bonne soirée, Nash, merci. Je vais Bonne soirée, manger Nashman! ou je vais me restaurer. Bon courage pour ta dernière semaine de boulot hein, avant Non, je tes vais pas aller de la vacances. restauration. Je vais Courage être à que c'est toi. prêt, hein. Et la maman FunFan est venue toquer pour dire c'est prêt. On n'est pas obligé de Merci d'avoir rappeler joué, les Nash. détails.
fâcheux de ma vie. Merci Bastos, j'avais que comprendre, ouais. C'est bon, il y a Elchito, il y a plein de fans. Bon, moi je vous laisse, je vais manger, je vous dis à tout à l'heure et bonne course. Merci, bon app, à tout à l'heure. Lalalala. T'es sûr que c'est un truc éducatif ton jeu là? Je trouve rien, moi. Comment ça éducatif? Ah, un truc oui, qui t'a passé, on parle pas du jeu de billes, oui. Ah non, le tableau mystère. Oh, bah, éducatif, instructif, si tu préfères. Mais c'est le genre de programme que je mettrais volontiers dans un CDI pour les gamins dans, au collège. Hein. Waouh! Le coup de l'explosion avec le piston, impressionnant. Donc le pauvre Dainonet qui a été éjecté dans le vide. Moi, ma bille, c'est surréaliste, elle est sur une surface, mais c'est pas une surface de jeu, là, je crois. Je sais pas ce que fait ma bille, mais ça fait flipper. Enfin, bref. Voilà, je suis mort. Je me disais aussi que ma bille était hors champ. Oula, c'est un sacré truc. Impressionnant, le... Ibi. Bravo Bastos. Bastos a remporté cette étrange course faite par la communauté. Eh ben on a un podium suivi de Elchitophone et Funfan. Moi-même et Nainonet, les Nancéens ont été éliminés. C'est un scandale. Allez, carte suivante. Oh, le dojo. Le dojo, souvenez-vous, le dojo qui est traître. Allez-y, point d'exclamation, play. Alors j'attends, ouais, le temps du délai de 30 secondes. Je me réfère à mon horloge. Je vais attendre un peu avant de déclencher le compte à rebours. Voilà. Non, c'est pas grave. Mais je reconnais que c'est pas facile de retrouver les commandes chez moi et ma logique de syntaxe. Bastos, je comprends parfaitement. Non, c'est bien, GG à toi. Mais allez-y, placez vos billes. Je repense à la nouvelle du jour, j'ai envie de dire, en piratage, là, au niveau vidéoludique, le fait que Rockstar ait eu un accès frauduleux sur ses serveurs, et que donc il y a eu presque une centaine de vidéos qui étaient dérobées sur le futur Grand Theft Auto. Mais comme dit Christella, méfiance, ne s'agit-il pas d'un canular pour avoir une pub gratos de manière éhontée, une publicité gratuite? Hop là, oui, voilà que je mette les noms. On va suivre l'homme à la tête de lion. Néoné. Alors la carte du dojo qui est traître. Tiens, d'ailleurs, tu as une scène, comme tu peux le voir dans l'interface. Tu es le détenteur du record local en 204-214. Oui. On voit le fantôme de Tabi quand t'avais scoré au niveau du chrono, quoi. Tu as été plus rapide sur ma chaîne à remporter cette piste, si tu préfères. Génial. Ma bille vient de gicler comme un caca, mais quelque chose de magnifique. Vu de loin, c'était impressionnant comment qu'elle a giclé hors parcours.
Ou attention, le fait de pas être dans l'axe sur la course là, ça peut vraiment être fatal, hein. Ça et les collisions malheureuses. Oh, c'est vicieux. Cette pièce-là, croisée un peu comme un bretzel, le biscuit apéro alsacien, là, elle est vicieuse. Du fait que la bille va souvent dans le sens opposé, dans l'autre conduit, au lieu d'aller dans le conduit de la suite. C'est bien pensé, c'est vraiment bien pensé par rapport à la physique du jeu. Voilà, donc Tabi à l'époque venait déjà de franchir l'arrivée. Ouh, attention à la correctionnelle, Nayonette, Tabi, mon pauvre. Ah bah là, t'es quasiment ouais, solidaire avec Bastos. Si vous repartez en sens contraire, ça. Oh, Bastos, t'as roulé sur la tranche du parcours. Ouh, tu. Ah merde. Alors, Nainonet est le seul survivant. Est-ce que je vois. Oui, non. Ouais, je pense que t'es tiré d'affaire. Je pense que tu vas être le seul vainqueur de la carte pour ce soir. Oui, c'est ça, c'est bon. Normalement, il ne devrait plus t'arriver grand-chose. Voilà. Wouh! Tu es le seul à avoir rallié le ramequin d'arrivée, mon cher Nainonet. GG à toi. Bon, on est loin du record. T'as presque 1 minute de retard par rapport au record de Tunsen, mais. L'essentiel étant d'arriver. GG. Ah, je viens de comprendre l'interface. Je peux choisir l'aspect de ma bibi, moi, sans faire de saisie clavier. Je viens de comprendre un truc que j'avais négligé jusqu'alors. Bébé. Eh oui. Qui nous font perdre la bouboule. Ah là là, tellement de choses à faire sur la chaîne. C'est enivrant quelque part. J'aime bien, hein, mais c'est enivrant. Que je vous ai parlé de Minecraft. Là, il faudrait que je me fasse vraiment une scène spécifique pour les bibis et un truc plus abouti où vous voyez bien toute l'interface. Là, je vous cache malheureusement le nombre de participants d'engagés, le nombre de courses dans le Grand Prix, vous ne le voyez pas. Ni même le nombre du créateur de la carte. Et plein de choses à faire. Là, c'est bien, il y a des petites nouveautés toutes les semaines en général. C'est cool, c'est cool. C'est cool, Raoul. C'est ça. Alors, en parlant de Raoul, tu me fais penser que dans l'histoire de ma ville, la belle ville de Nancy, j'avais lu dans un bouquin d'histoire locale, on a eu un duc qui s'appelait le duc Raoul. Et tiens, on va suivre un peu Bastos pour changer. Et le dit duc Raoul en 1000, je sais plus si c'était en quel siècle, en 1100, 1700, 1800, je sais plus. Bref, c'est lui qui a inventé le concept de fête foraine en fait. Donc sur la place, une des premières places à Nancy, il avait instauré historiquement bah, des jeux de tir à l'arc, des roulottes où on vendait de la nourriture quoi. À l'époque, ça devait être des volailles rôties. Des gitans, quoi. Bah peut-être historiquement, ce serait intéressant d'étudier. Mais c'est comme ça que le concept de fête foraine, re-fan-fan, pardon, et que le métier de Déjà forain mangé? a fini par naître. Bah ouais. Il a rien mangé, dis donc, si Oh, il s'est Jacqueline. fait une injection de purée en intraveineuse. Oh. Oh, je mange vite, moi. Vas-y, avale, avale. Oh, mais il faut qu'on aille faire les courses, on les a pas encore fait, donc il n'y a plus grand-chose à manger, c'est tout. Eh bah, tu manges tout. Ah, je ne sais pas pourquoi.
Stalagmites qui sont mobiles, je les vois par-dessous le plancher de la piste. Ça a été bien conçu, cette carte. Ouais, ouais. Du coup, ça fait office de ralentisseur, on va dire. Bien vu de la part du concepteur de la carte. Ah bah, j'avais pas énoncé, mais on peut le voir dans l'interface. Tu es également ici le détenteur du record local, mon cher Tunsen. En 3-10. Ouais. Tu as beaucoup de records locaux. Un peu trop à mon goût. Ouais. moi, je joue avec une seule bille. Hein. Je ferai marquer. J'en ai pas deux. Et paf. Je savais que t'allais me la sortir, celle-là. Mais j'ai que la bille, moi. J'ai que la bille fun fan. Hein. Non, t'en as deux. Ah non, El Chito, c'est pas ma bille. C'est la bille d'El Chito. Non, c'est toi aussi. Non. Si, on peut le voir dans ton profil sous Bastos, c'est écrit El Chito en surnom. Ça balance. Ainsi que la purée. Bah voyons. Oh, j'ai emporté la course. Pourquoi pas aller au tech pendant que tu y es. Voilà, voilà dedans lui. Bah c'est sa bille, hein. C'est lui qui m'a demandé de jouer pour lui. Non. Tu connais même pas, donc faut pas dire ça. Mais moi je le connais, c'est suffisant. Non, tu connais juste ses vidéos, tu ne connais pas personnellement. Attention. Là, c'est vrai. Ouais, voilà. Alors, Nainonet, deuxième, et Bastos, troisième. Et personne n'a battu le record chrono de Tunsen. Je suis arrivé, entre guillemets, avec 5 secondes de retard par rapport au record de Tunsen. Mmh. Et est-ce qu'on peut battre son propre record ? C'est rigolo, ça. Oui, c'est possible. C'est le système solaire, là, la Marble Century, elle est magnifique cette carte. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qui demande à Cannes notre spectacle, les vampes Twinsen et Fun Fan. Ce serait drôle. Déjà, c'est Fun Fan et Twinsen, s'il te plaît. après, ça sera inverse après. Parce que le F est avant le T dans l'alphabet. Voilà, c'est pas une question d'ego. Ah, je veux pas m'appeler Winzen hein, pour avec un B pour être devant toi. Hein. Winzen. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une question que je me posais, Twinsen, dont éventuellement tes projets de diffuser sur Twitch dans le futur. On parle toujours jeux vidéo, mais est-ce que tu te vois toi? Pas forcément les premiers mois, hein, peut-être plus tard dans ta vie, voilà. Est-ce que tu te verrais diffuser autre chose comme des promenades comme moi, ou d'autres font des ateliers cuisine par exemple, ou un atelier. J'ai des trucs de prévu, mais je vais pas le dire pour l'instant. Ah, ok. Tu ménages le suspense. Ah, je comprends. Un concept. Vas-y. J'ai remis un truc en route depuis 2 semaines déjà, donc à voir. D'accord. Un concept si révolutionnaire qui fera plus d'audience. Non, il n'est pas révolutionnaire, mais voilà, moi ça sera différent. Même à Mourante, elle prendra sa retraite le jour où il lancera son premier stream tellement il fera d'audience. Mais faut que ça se remette en route, parce que ça fait au moins quelques années qu'on a pas fait ça. J'en dirais pas plus. C'est intéressant, la manière dont. Dont tu te présentes, on va dire. Ok, merci. Il va jouer à un vieux jeu que plus personne n'a joué. Oh non, c'est pas un jeu. Ah. C'est une activité. Tu as montré toutes les photos de célébrités. Oh non. Oh, dommage. Maintenant, parce qu'avec ça, t'avais fait le tout. Hein. Que c'est des trucs qui peuvent se refaire par la suite, en plus. Ah. C'est moi qui ai le record. Youpi. Oui, exact. Ah ouais, c'est la fameuse map. Ouais, du système solaire. Et t'étais pas loin du record mondial. Hein. Ouais, mais... T'avais fait 3.38 alors que le record mondial est à 3.29. Moi, je pense que la carte là, ton record localement, il va rester pas battu pendant longtemps. Parce que quand tu avais fait ce chrono là,
Franchement, Tabi, elle était, mais c'est dingue, elle était partie comme une fusée. J'étais impressionné. Je suis impressionné et sans mon compte secondaire. Nah. Regarde ton Ouais. fantôme. Ton Tu vois, fantôme, il il l'a est avoué déjà en en plus. bas du toboggan. Il l'a avoué. Ah ouais. C'est mon compte secondaire. Des Des concerts en concerts live. en live. Ce serait À stylé. mon avis, avec des MCA, tu fais pas de concert hein, sur Twitch. Hein. Je dis ça et Ouais. puis. Quand tu penses qu'il y a des groupes qui se sont fait sanctionner sur leurs propres canaux alors qu'ils jouaient leur propre répertoire, c'est quand même dingue. Qu'on sanctionne amende pour ces blagues, je veux bien, mais. C'est beau. Regardez-moi ça Ah, comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. les Twinset, tu crois que Léo Tech il sera aux Eleven? non. Il a dit que lui il a été invité, mais qu'il a pas eu Oui. le temps d'y aller. Il a dit là, Oui, on. il voit ça avec Zerator, il a dit. Ouais, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait pas, hein, il saura jamais. Il s'abrite qu'à l'arme, il peut peut-être apporter des sous, hein, à savoir. J'aime bien cette musique. Ma mère doit regarder un match de foot. Match de foot ce soir? Bon, Petite parenthèse foot, comme tu l'énonces, j'ai eu des échos de ceux qui regardent, alors, sans être passionné, acharné hein, de football, mais il paraîtrait que les équipes féminines jouent avec beaucoup plus d'intelligence, de finesse et de maîtrise de la balle au football que les hommes, paraît-il, et que le spectacle est bien meilleur. J'ai eu plusieurs échos de ça et des échos qui me sont parvenus de mecs, hein, pas de femmes. Dans une parfaite neutralité entre les jantes. Et comme quoi. Bah après moi je passe quand même parce que du coup là sur la 6 il y a du basket tu vois sur l'équipe TV il y a du football américain NFL et après sur tout ce qui est RMC Sport il y a du football avec différentes ligues champions etc donc je sais pas ce qu'il y a quand même. Ouais, c'est surtout l'esthétique qui leur plaît. Non, moi j'ai notamment mon frère qui aime le foot, moi j'ai toujours entendu l'inverse, que c'était plus mou, que ça allait plus lentement et du coup que c'était moins intéressant. Peut-être que leurs niveaux se sont améliorés, c'était ça en 2016 maintenant. Et que justement ça justifiait qu'elles aient un salaire moins important que ceux de leur homologue masculin. Bah, est-ce qu'on pas les... est-ce qu'on pas la grosse tête? Et voilà, il n'y a que ma bille qui a réussi. C'est ça. Pourquoi ma bille secondaire elle est meilleure que ma bille principale? Je comprends pas. C'est du C'est pur hasard. C'est du pur hasard. Ne cherche moi. pas à trouver une explication, il n'y en a pas. Pour ça que j'ai deux billes. Pour être dégagné. Et si je pouvais en avoir trois, j'en mettrais trois. Pas dit que je crée pas un troisième compte juste pour faire une troisième bille. Non, je serais capable. Ça Oui. s'appellerait Marvel Home Fun. Il s'appellerait comme ça le pseudo. Non, c'est capable. Mais lui, il viendrait que pour les jeux de billes. Il viendrait pas pour autre chose. Comme ça, je pourrais avoir un triple dans le podium, tu vois. Elle est belle la texture en bois. Donc oui, petit rappel,
J'ai fait le nécessaire pour avoir tous les éléments de construction des pistes dans l'éditeur du jeu. Et je continuerai mes expérimentations. Il faut que je découvre le comportement des billes sur les différents éléments, que je sache vraiment de quoi je dispose pour faire un parcours vraiment, vraiment bien, quoi, tel qu'il me plairait. Donc là, on va jouer d'ailleurs. Il va tomber dans le grand prix. J'ai rajouté mon premier grand prix que j'avais, ma première piste que j'ai conçue à la va-vite pour inaugurer l'éditeur. Et la deuxième, je me mets pas de date parce que voilà, il y a tellement de choses à faire sur la chaîne. Mais j'ai bon espoir qu'elle arrivera largement avant Noël, avant les fêtes de fin d'année. Encore un circuit où j'ai le record local, tiens. Exact. Bien lu. En 1:26.050. D'ailleurs, on voit ton fantôme qui est bien loin, donc à mon avis, tu vas conserver ton record. Et Twinzen est parti, on ne sait pas où. Non, c'est chiant. Ah non. Non, là, je peux dedans. Non, parce que comme tu as pas mis ta bille, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais. Oh, le parcours des billes, c'est impressionnant. Bille. Allez, on va suivre Bastos. Tu commences à avoir peur, Twinzen. Oula, t'es loin, quoi, Bastos. Ça y est, tu commences à avoir peur si tu mets plus tes billes. Non, mais je peux pas faire la vocale et jouer en même temps. Oui, sur le téléphone. Bah oui, il n'a pas l'interface adéquate pour être polyvalent. Ouais, sinon, c'est Diaco dans les voix. Ouais, j'avoue, c'est chiant. J'ai mis un dernier message de Bombastos. La question est, as-tu vraiment que deux comptes Twitch? Moi, je dirais qu'il y en a plus, hein, parce que... voilà. Non, je n'ai que deux comptes, c'est tout. Ça reviendrait à quoi d'avoir trois comptes, sérieux? Ah bah d'aller voir certaines madame en piscine. J'ai pas besoin d'utiliser un faux compte pour aller voir madame en piscine, mon vrai compte suffit. Ouais, mais si on t'a banni. Même on peut continuer à aller voir même en étant banni. Donc oui, c'est des interactions dans le chat, ouais. Et en plus, est-ce que je vais interagir avec une personne qui parle pas français? J'ai fait 2 minutes. On vient pour l'esthétique, hein, on vient pas pour discuter. Hein. J'ai fait 2 minutes tout rond, excellent. Plein écran et puis basta, c'est tout. Donc aucune chance d'être banni. 2 minutes tout rond, à mon avis, non. Hein. Il doit y avoir des centièmes derrière qui doit traîner. 0-0-0-0-0. Magnifique. Hop là. Sixième course sur 16. On est presque à la moitié. Un jour, ce jeu, il sera autre part et je pourrai le faire. J'ai pas compris ta réflexion, Funfan. Si ce jeu est autre part, je pourrais le faire. Bah, autre part que Steam. Ah, le proposer toi sur ta chaîne, oui, effectivement, s'il vient sur notre plateforme. À vérifier, d'ailleurs. C'est peut-être déjà le cas. T'as qu'à passer à Steam, hein, ça c'est mieux. Oh non, non. Il faut mon arme. Ah là, il fait son Calimero là. Ce sera Marvel on Fun, c'est tout. Comme le Gartic Fun, c'est plus Gartic Fun quand c'est moi qui me fais. Ouais, bah ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tes dessins. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est on vrai. Fait plus de Gartic Fun maintenant. C'est... Ouais. Là, le prochain chez moi, il est à Noël. Hein. C'est loin, ouais, Nino, on va pouvoir tes dessins aussi. Non, il y en aura un début octobre. Ah, sympa. Ce sera pour faire le 111e samedi. En espérant que ce samedi-là, vous êtes nombreux. Ah, parce que déjà, pour avoir du monde, pour avoir Worm, c'est compliqué, alors. Ouais, mais l'avantage, c'est que le Gartic, tu le proposes, tout le monde l'a, personne n'a besoin de l'acheter, donc déjà, on gagne du temps là-dessus, tu vois. Peut-être que dimanche prochain on fera du Worms. Mmh, oui, pourquoi pas. Il dit ça chaque semaine et chaque semaine il n'y a personne. On verra. C'est normal, les Gartic Fun, il faut les faire quand tu as du monde et que personne n'est au courant. Comme ça marche.
Quand tout le monde est au courant, personne ne veut venir parce que personne ne veut montrer ses dessins. C'est compliqué. Et c'est quoi du monde pour toi? Une dizaine de personnes. Ah, c'est Slayer Douglas qui a le record. Ouais, qu'on salue. Et Jess Peter qui a le record mondial. Mmh. Oui, un sacré record. Hein. Il est sous la minute. À mon avis, il a dû avoir une éjection heureuse avec la bille qui passe sur le piston, mais au lieu de finir dans le vide, elle a fini directement dans l'arrivée. Donc autant dire que tu as une chance sur 1 million pour que ça se produise. Mais Twinsen, je crois que j'ai vu un record de Léo Tech dans ce jeu. Ouais. Mais je crois, il y avait marqué Léo Tech. Tu as battu le record local, Funfan. Oh. Eh oui, on est encore sous les 2 minutes. T'as déjà rallié l'arrivée. Ouais, encore un record pour Bibi. Il n'a pas triché. Moi, tant que j'arrive à battre le point, ça me va. Oui, qui se manifeste plus, tiens, d'ailleurs. Encore qu'il s'est lassé. Oh, il va de temps en temps. Oui, il passe chez Cadeau Anthony aussi. Peut-être qu'un jour, il apprendra à dire bonjour. Peut-être. Ouais, ouais. Oh, c'est beau on the field. Oh, c'est beau, c'est une table de casino. Ah ben ça va plaire à Nayonis, hein. Mmh. Magnifique. Ah, ça présente vachement bien. Par modestie, je vais pas en faire une clip, j'en ai trop fait de mes bons résultats. Oh, c'est la première fois qu'on la joue, il n'y a pas de record local. Donc le vainqueur, c'est déjà qui va inscrire son nom. Non, quand tu dis casino, j'ai la musique de Sonic. Mais merde. Ah ouais, là, les références. Hein. Bah tu sais Sonic 2. Oui là. Oui, je vois. Mais je crois que c'était à dire la musique casino, c'était le mot casino, c'était pas pour supermarché. Moi aussi. Il doit rester quelques-uns vers chez toi des casinos, je pense. Tiens, tu vois, tu fais une map casino, Dayone, il se ramène. Bah, il fait rien pour ne pas. Il fait rien pour empêcher ce cliché de passer. C'est beau. Donc dans la rue Nayone, il y aura un casino et un cimetière pour Frobos. Ou une forêt. Allez savoir. Une forêt avec un cercueil. Pourquoi pas aussi. Mais le pire, tout ce que tu dis, on peut le mettre en œuvre dans Minecraft, c'est ça qui est fou. Ouais. Et ton cercueil, il y aura le comte Dracula dedans. Ah bah tiens. Et pas le comte à rebours non plus, non? Non. Tiens, qui c'est qui mène? C'est Nayone, comme par hasard. Il a tiré. J'ai jalouse, hein. Non, pourquoi? Moi, je suis dernier et avant-dernier. Oh Bastos, ah, oh, dommage que la bille ait percuté. Et tout à l'heure j'ai eu le record à leur chute. Oh, j'aime bien la texture, hein. Superbe. Simple mais efficace diront certains. J'avoue que ça m'avait manqué hein, le Twinsen Troll en vocal. Oui. Et c'est encore le mieux quand c'est pas sur mon stream, comme ça je peux bien répondre.
Je remporte la course, donc j'inscris mon nom en lettre de noblesse en record local. Désolé. Suivi de El Chitofan, Bastos, Nainonet et Tabi principal, mon cher Funfan, qui n'a toujours pas réalisé l'arrivée. Ah si, ça y est, c'est bon. Donc le record local sera en 2 minutes 05 115 centièmes. Enfin, même millième d'ailleurs, de seconde. Mais c'est la mi-Grand Prix, c'est la moitié du Grand Prix, 8e tracé sur les 16. Allez-y, placez vos bébés. Et là, je suis encore en train de voir l'arrivée, quoi. Oui, désolé du décalage. Oui. Ouais, je suis en train de voir, mais ça va aller très vite. Oui. Samedi prochain, c'est le 109e samedi. La semaine suivante, c'est le 110e. Donc, dans 3 samedis, c'est le Gartic Fun. Mmh. Donc, le 8 octobre. Donc, le 8 octobre, tu vas pouvoir admirer mes dessins préhistoriques si t'es là. C'est un quoi, le 8 octobre? Ouais. Le samedi 8 octobre, c'est le jour où je refais un Gartic Fun. Ah. Oh, tu es content, t'aimes bien les Gartic Fun. Et bizarrement, ce jour-là, il y aura Dilocine qui sera dispo parce que dès qu'il fait des Gartic Fun, monsieur aime bien être en compétition contre moi quand il est supérieur, il aime bien. Il y aura aussi EDR qui va arriver, non? Non, c'est fini, lui. Oui, il est le bienvenu. Hein. Non, non, SDR, il a vraiment supprimé son compte Twitch. C'est bon. Soupir. Et donc, je disais que, ouais, donc là. Alors que là, il reviendra pour être contre moi. Par contre, jouer contre les autres, il veut pas parce que je dis qu'il peut pas m'affronter et gagner. Ouais. Faut qu'il gagne. Sinon, il joue pas à des jeux de quiz et compagnie. Il aime pas perdre. Ah, il y a pas encore une map sans record. Bonjour, Raygold. Bonjour et bonsoir et bienvenue Raygold. Ou Raygold, je ouais, est-ce que Raygold ça fait plutôt la raie dorée hein Il veut déjà que tu bois. Ah oui, Glouglou, oui. Mais ah, alors que Funfan a rallié l'arrivée. Oh, j'ai tapé encore un record local. Et là, tu aurais pourquoi il est. T'as vu que je suis pas si nul. Oui, d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est mon tracé. Pourquoi je vois pas de records locaux? Oula, il y a eu des chronos qui ont été effacés. Bah, si on efface ceux de Twinsen, c'est pas grave. Hein. Non. Non, bah c'est bien, t'as inscrit ton nom, ton pseudo en lettre de noblesse en 1.20.548. Bah, j'en ai pas mal, hein, Twinsen. Hein. C'est pas la première fois. Hein. Plus celle de mon compte secondaire, ça fait pas mal. Hein. Oula, on l'a jamais faite. Oula, elle est bizarre cette carte. Wow. Il te redonne encore à boire. Rigole, on dirait qu'il veut que tu bois beaucoup. Hein. Là, sauvegarder, on peut ah, pas. Mais... S'il boit, faut qu'il aille aux toilettes après. Donc, c'est compliqué. Hein. Alors, tu vas rire, mais la mousse que je me suis dégoûtée hier soir. Après mon direct, je me suis réveillé à 4h du matin pour soulager ma vessie. Authentique. Oh là là. Attends, mais il fallait mettre une poche. Hein. C'est ça. Comme les vieux. Du coup, j'ai scindé ma nuit en deux. Ça va, hein, j'ai bien dormi, mais c'est pour dire. Ah bah c'est sympa, on va suivre Raygold au niveau de la bille. Comme il est nouveau venu à la moitié de ce Grand Prix.
Ah, je vais pas boire à chaque fois, Régold. Là, tu te déchaînes avec les points de chaîne à faire hydrater. Oh mon Dieu. Ah, voilà, attendez. Il faut que je gère le. Ah, où est-ce que t'es, Régold? Dans le. Oh là, ça va. Voilà. Ah, il est bien ton avatar. Wow, ce décor de. Waouh, c'est quoi ce parcours de fou? Wow, magma style. Wow, impressionnant. Ah, c'est court. Wow. Alors, j'ai pas compris le principe de la course. Mais Funfan a gagné. C'est, elle est trop Encore une bizarre cette fois. carte. Elle est trop Alors, bizarre. en fait, tu gagnes quand t'es pas dans la compétition, toi, Vincent. Tu dois être mon chat noir. Alors, Hein. le pauvre Régold qui a été éliminé, c'est le seul éliminé alors qu'il vient d'arriver. C'est Funfan, moi-même Bastos et El Chitofan dans l'ordre d'arrivée. C'est. Waouh! Étrange carte. Normal. L'expérience prioritaire. DML, oh, c'est joli. Encore un record pour Bibi. Tiens, je vais changer de. Je limite. Ah non, c'est pas ma chaîne, sinon je vais faire un temps fort. J'ai changé d'aspect de bille. Ouais, 10e course sur 16. Hop là, l'eau c'est bon, ouais. Bah là Nouveau. d'ailleurs, par rapport à ce que je carbure, je me suis fait du sirop de pomme dilué dans de la flotte. Et c'est vrai que j'en bois volontiers encore un coup. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. To be free, on all to be. Pam 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 pam. Pa 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 pam, pa pam, pa pam. Ouais. Mais je parle plus parce qu'inconsciemment, je suis déjà en train de me projeter dans demain et à réfléchir comment j'organise ma journée. Là. Sniff. Attends, Allez. là. Voilà, on suit rigole. T'avais dit que la semaine dernière, il y aurait quelques streams en après-midi. Il n'y en a eu qu'un seul, je crois, lundi, et puis c'est tout. Eh ouais, parce que je me suis fait rattraper par plein de choses à faire, malheureusement. C'était à craindre. Je l'aurais tenté, hein, mais voilà. Il n'y a qu'une après-midi qui aura pu être le lundi. Et le restant de la semaine, c'était mort. J'avais cumulé trop de trucs à faire, trop de retard. Ah là là. C'est comme ça. C'est la vie. Eh Bon, bah, j'ai eu plus de congés, c'est tout. oui. C'est ça. Mais tu sais, rigole qu'après, tu as d'autres fonctionnalités, les points de chaîne, que hydrater. Tu peux demander des sauvegardes, tu peux dire que le sage est en PLS, ou te dire en retrait, etc. etc. Hein. Ouais, enfin, des sauvegardes, surtout un jeu de billes, je te dirais. Ouais. Non, mais je parle en général, pas pour ce jeu. Bon, moi j'ai déconnecté. Oh, dommage. Bah, c'est comme ça, il y a des trucs à faire aussi. Hein. Mais ouais. Peut-être tu Bah, bonne soirée, à reviendras pour les plus. deux. À plus tard. À plus tard, À merci, plus tu te tard. sens. Ciao, ciao. Alors, ils sont pas évidents à placer ces petits rails très fins là de. J'ai déjà manipulé dans l'éditeur de niveau là de piste et c'est pas de la tarte. Faut vraiment bien les calibrer, les mettre face à face. Alors que les grosses pièces, elles se clipsent, j'ai envie de dire instinctivement les unes dans les autres.
Oui, tout le monde qui souhaite la bonne soirée à l'ami Twinsen. Merci à lui d'être venu. Waouh, elle est longue cette course, elle est magnifique. Et voilà, plus personne va contester ma bille secondaire maintenant. Peut-être le jeu, en te l'éjectant dans le vide, méfie-toi. Je préviens, celui dans le chat qui s'amuse à la contester, il y aura soit au mieux un effacement de message ou un ban confidentiel. Ah, bah. Je suis heureux de t'annoncer, alors que tu fais ton vilain, que tu as encore remporté la course. Deuxième fait... Nain Honnête, troisième Régold, Bastos ah ben, quatrième dit... et Mabi dernière. On dit jamais 203, c'est normal. Donc c'est fou ça, je les gagne à la chaîne. Je suis dans une période de chance, mais je sais que la malchance n'est pas loin. Ouais, ouais. Un honnête dit j'interdis fun fan. La provoque. Ouais, bien, t'as gagné la course. Donc du coup, bah comme ça, la première fois qu'on l'a fait. Record le 4, du coup, inauguré en 2,54-522. Qui est pas loin du record mondial, d'ailleurs, en 2,51. Sachant que tu as fait 2,54, c'est très bien. Waouh. Je te répondrai comment à mai 68, il est interdit d'interdire. C'est une devise enfin, cadeau. Moi, je peux interdire, mais vous, vous pouvez pas. Pour vous, il est interdit d'interdire. Je comprends pas pourquoi après la course on nous demande yes ou no. Ah ben tiens, voilà le point. Le yes ou no, oui bonsoir le point. Le yes ou no, c'est en fait tu affiches ta satisfaction ou ton insatisfaction de la qualité de la carte de la piste. En fait, tu vas noter de manière binaire le créateur de la carte. Et tous ces votes liés rentrent dans les statistiques du jeu. Et tu as des pourcentages de cotation, on va dire, de certaines cartes. Il y en a donc certaines qui sont devenues populaires et d'autres qui ont sombré dans l'oubli. Si l'ensemble du public a voté non, 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 la carte elle est nulle, elle est pas bien, et voilà quoi. C'est un système de notation, si tu veux. Mais binaire, c'est oui, non. J'approuve ou je désapprouve, voilà. Mince, j'ai oublié de mettre les noms des bibis. Ah bah tiens, on va suivre le point. Où qu'il est. Ouais. Si j'arrive à le suivre. Parce que là, toutes les billes partent dans tous les sens. Oh! Et le soir, moi. Et le point, on est le soir. Donc je veux pas un beau jour, je veux un brochoir. Hein. C'est vaste, tu peux encore tricher. Oh, la carte est impressionnante. Ou un salut, si t'as pas envie. Et tu mets A2L comme ça, tu dis que tout le monde. Sinon, interdit de jeu. Hein. Bon, ça va. Wow. Comme c'est toi, le bonjour, ça suffira. On dira que tu vis dans un pays. Bah, c'est le point qui remporte la course. Suivi de El Chito Fun, de Régold, ensuite Fun Fan, moi-même. On attend l'arrivée de Bastos, voilà qui vient d'être validé, Nainot. Record du monde pour le point. Waouh. L'ancien record a été 1-0-3, et là, le point est sous la minute. Incroyable. Il veut vraiment me désespérer, c'est pas possible. Ah oui. Waouh! GG, un record du monde ce soir. Et B. Wouh! Waouh, excellent les oiseaux. Waouh! Là la carte. J'ai eu de la chance, c'est tout. Et on t'entend dans la voix des députés. Je vote non, voilà.
Nayone, pardon. Bah oui, hype, tu m'étonnes. Un record mondial, 22 août, t'es pas venu pour rien. Comme j'aime le dire, t'as pas perdu ta soirée. Il aura le record du bonjour aussi. Bah, c'est la deuxième, la douzième, pardon, course sur 16. Donc, il y a peut-être encore des records mondiaux qui vont tomber, surtout qu'on fait les cartes de la communauté. Alors, sachant que la plupart sont pas populaires, il y a une forte probabilité de record mondial, ça qui est sympa. Alors, qui c'est qu'on va suivre? Voilà, vraiment, j'appuie au pif. Hein. Allez, blanc. Eh ben, ce sera Raygold. Raygold, peut-être que je devrais dire. J'ai du mal. Alors, attends, c'est quoi la symbolique? C'est les oiseaux dans le ciel. Ok. Ah! Puis en plus, ils bougent, les oiseaux en question. Oh, c'est du beau boulot. Eh bien. Oh, pas mal. Ah, il y a de ces idées. Ah merde, la bite Bastos qui a giclé dans le vide. Pareil pour le coin, cette fois-ci, la malchance s'est arrivée. Eh oui. La chance tourne. Yeah. Serait actuellement en tête Raygold. Mais on n'est pas tout à fait à l'arrivée. Avec l'épreuve des glaçons. Le record du monde ne sera pas battu. De Iron Lady 62. Là. 62. La Dame de Fer garde son corps. Donc Raygold a rallié l'arrivée le premier. Suivi de Nainonet et de moi-même. Fun Fan et El Chito Fun. Voilà. Complète la liste des arrivées. Sachant que Le Point et Bastos sont chu. Navré de vous l'annoncer. Oula, j'ai peur. Rien que le nom du tracé qui s'appelle Super Longue Expérience. J'espère que le tracé va pas durer 10 heures. Je sais plus quel tracé est horrible, mais sans déconner. Le tracé, j'avais vécu chez Cadeau Anthony. Et la piste, mais franchement, une exception dans le jeu. La piste, elle durait une heure. Pendant une heure, t'avais la bille. C'était un concept très bizarre. Enfin, bref, évidemment, il avait avorté la course, Cadeau Anthony. Mais là, le concepteur de la piste est allé chercher loin son truc. Mais comme quoi, vous voyez, dans ce genre de jeu, tout est possible. Bon, ça va. Avoir le record du monde Sunny Sage en 1:20 en gros, ça doit être tracé en 2 minutes pour tout le monde, en moyenne. Ouais, 13e course sur 16. Ouais, bah je vous abandonnerai aux alentours de 21h15. Allez au pifomètre, qui c'est qu'on va suivre au niveau des bébés? Les bébés. Oh, j'aime beaucoup les couleurs bleues et rouges. Stylé. C'est marrant, le fond dans l'espace, j'ai pas l'impression que je l'ai dans mes éléments de construction dans l'éditeur de piste là. Le ciel étoilé. Pour tout vous avouer, dans la piste numéro 2 que je suis en train de tester, de concevoir, j'ai choisi un fond qui va taper directement dans l'œil, qui est un fond piste enneigée. Peut-être que ma troisième piste, ce sera les étoiles, c'est beau. Tout simplement.
Oui, 13 de 16, ouais. Un grand prix. Ben, j'ai mis le maximum de pistes pour un grand prix, 16. Au moins qu'on se fasse pas mal de pistes. Et puis là, j'ai pas trop faim, donc je peux jouer les prolongations sur mon direct Twitch. Et voilà. Et voilà, voilà. Monsieur Nayoné est demandé dans ses MP Discord. Quand il aura 5 minutes, merci d'y passer. Oh, j'ai remporté la course. Oh, je dois pas être loin du record mondial. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais peut-être que Mabi a battu le record mondial. Ah bah merde, alors elle est pas mal celle-là. Ou alors ça joue à une seconde, hein, sans déconner. Alors moi-même, Neynone, Funfan, hein, El Chitofun, Ray Gold et Bastos devraient fermer la... Oui, quel record. Il s'appelle Sony Sage. Bah oui, un sage va peut-être ensager un singer. Un sage va peut-être ensager un autre. En battre un autre, pardon. Oh, ça, ça mérite un clip, ça. Non, il n'y a pas de record du monde. Mais c'est pas passé loin. C'est marrant, ça, qui s'appelle Sony Sage. Ça s'est joué à 3 dixièmes de seconde. Heureusement, il s'est pas appelé Sony Sage. Ouais, ouais. Ça s'est joué à 3 dixièmes de seconde. C'est le jeu. Au moment du lancement de la nouvelle course, je ferai le clip. Ouais. Là, je couperai le son pour éviter qu'on s'entende en double. Allez-y, placez vos bibis. Oula, Vinyl Record, Kings, Chaotic, Dubious, Shenanigans. Eh ben dis donc, ça c'est un nom à rallonge. Rien que le pseudo du gars. Vinyl Record, Kings. Oula, eh ben c'est pas mieux. Le détenteur du record, il se fait passer pour, c'est rigolo, pour une erreur Windows, là. Les erreurs hexadécimales, 0x quelque chose. 0x code dud. Waouh, elle va être vite expédiée, cette carte. 16 secondes, le record mondial. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, ce serait des téléporteurs? Et l'habit du record mondial aurait réussi à être projeté carrément via le bon téléporteur directement à l'arrivée? À mon avis, ça va être un truc du genre. Wow, alors là, je vais pas avoir le temps de commenter la piste, ce sera fini. Pardon. Ah ben on va suivre Bastos. Attends, on est déjà quasiment à 10 secondes. Alors en 16 secondes. Ah oui. Avec le décalage, du coup, ça fait que... Oui, j'ai vu ton message, Nayoné. Avec le décalage, du coup, je ne peux plus faire le clip parce que j'ai lancé le clip trop tôt. Enfin bref, je regarderai sur la rediff. J'ai remporté la course. Ça a été vite expédié, celle-là. Waouh. Moi-même, ensuite Bastos, Raigot, Le Point, Funfan et Neynonet ont rallié l'arrivée. Et non, il n'y a pas eu de record mondial. Mais bizarre. Bon, on arrive sur l'avant-dernière course. La 15e de 16. Ouh, elle est longue, celle-là. Ouh, la vache, le record mondial est presque en 4 minutes. Ça va compenser la précédente. Au niveau de durée... D'ailleurs, je vais commencer à faire mon curieux et voir qui c'est qui diffuse sur Twitch. Pour savoir à qui je vais offrir mon relais de chaîne. Dans la liste qu'on pourrait avoir en commun, après moi qui détermine, il y a Morbo, mais il a commencé son stream il y a un petit moment, et Bazo. Après, si t'as d'autres personnes... Attends, je vais rafraîchir mon... Je dois pas avoir tout le monde. Je pense qu'il a... Ah oui, je me disais bien que j'avais pas tout le monde. Je trouvais ça bizarre. Par rapport à ce que tu me disais, je voyais pas tout le monde. Alors... Tac, tac, tac...
Ouais, effectivement, Morbo, je le vois. Ah, il y a quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps. Oh, puis hey, il aurait personne. Oh, c'est horrible. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui a aucun spectateur. Oh, je vous laisse la surprise de mon relais de chaîne. Oh, pardon, j'ai oublié de regarder le. Attendez. Ah, bah, je vais être vilain. On va regarder ma bille. Ma bille à moi. Mais. Ah non, là, je viens de faire un constat triste. On va aller chez quelqu'un. Je crois que j'ai jamais fait de relais de chaîne chez lui. Et c'est assez rare que je sois pendant 16 heures de diffusion. Et là, de voir qu'il a personne, ça me fait mal aux tripes. Juste vous dire qu'actuellement, il est sur Mario 64. Donc ce serait assez amusant de le voir. Oh, quelle tristesse. Et mettre sur Twitch et avoir aucun spectateur, là, c'est quand même cruel. Surtout que ça fait des mois. L'intéressé diffuse depuis longtemps avant moi, là, sur Twitch. Ah non, c'est triste de ne pas avoir de spectateur. Oh, il mérite pas ça. Là, vous allez peut-être faire une découverte d'un gars qui est fort sympathique. Oh, Régolte, ta bille a giclé. Désolé. Là, il reste plus que 3 participants pour compléter un podium. Oh la vache, les marteaux. Il y a la porte des étoiles et tout. Ouais. Je comprends pas pourquoi le report il a mis 4 heures parce qu'elle est longue, elle est grande. Ouais, près de 4 minutes. C'est bien qu'il y a des tailles illimitées, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont amusés à faire le plus long circuit juste pour le plaisir de faire un long circuit. Hein. C'est ça. Et si par exemple aucun participant arrive sur la ligne d'arrivée, il y a quand même un record local ou pas? Bah non. Et t'as d'ailleurs un affichage spécial où tu vois l'éclat à l'arrivée avec l'annoncé du vainqueur, mais qui dit pas de résultat et tu vois pas de billets annoncés. Bah pour l'instant, t'es bien parti pour inscrire le record local. Bastos, s'habille là au moment où je vois mon direct. Bastos, sa bille est très bien partie. Alors que la tienne vient de gicler dans les ténèbres. Désolé de te l'annoncer. Il reste plus que moi et Bastos en compétition. Mais Bastos est très bien parti. Si j'avais pas fait une faute, j'aurais pu mettre aussi mon compte secondaire. Mais j'ai fait une faute d'orthographe. Le téléphone, je jure. Tu fais du sur place. Ouais, l'habit de Bastos c'est très bien parti. À se demander même s'il est pas en route vers un record mondial. Imagine, tu auras un record mondial, Bastos. Ah, peut-être pas, parce qu'il y a le grand entonnoir, il reste 20 secondes, et le grand entonnoir, pour le passer vite, c'est difficile. Faudra que la prochaine fois le sache, tu réfléchis à moyen. Enfin, moi, ça m'intéresse peut-être pas tout le chat, mais qu'on puisse avoir le temps de la course parce qu'on ne voit pas le chronomètre. Oui, ça, c'est ce que je disais. Ouais. Il faut que je fasse une scène exprès pour le. Ouais, pour les bibis. Ouais, vous verrez tout. Et il faudrait que je mette tous mes gadgets en bas parce qu'en bas, il n'y a rien en bas de l'image. Ouais, c'est ça. Donc, ça viendra, il faudra que je le fasse, mais oui. Non, bah, il n'y aura pas de record mondial, là, on est au-delà des 4 minutes. Ce parcours de fou. Alors, ici, les téléporteurs sont des trolls. Hein. Ah, ça y est, Bastos a rallié l'arrivée en 4 minutes et 20 secondes, quelque chose. Et ma bille arrive courageusement, j'ai envie de dire, derrière. Et B, cette avant-dernière course aura été terrible. Faire un circuit long, je trouve ça bien, mais
Faire un circuit long, c'est bien, mais répétitif, c'est pas la peine. C'est pour mettre toujours un peu les mêmes choses. C'est un peu dommage. Et bravo à Bastos qui a un record local. C'est ça. Dernière course de MS Furette Black's Confusing Bastion. Voilà les noms. Alors, record mondial en 50 secondes et quelques par un certain Dead of Steel. Ah, désolé si tu l'as dit plus haut, ça défile tellement vite les messages. En plus, il y a les trolleries du point. Désolé si je l'ai pas vu, Bastos. À moins que c'était pas que j'étais allé manger, je remonte pas les messages. Mais là, je viens de le voir, ouais. Mais Bastos qui disait, comme j'ai dit plus haut, un record sur un jeu où on peut pas jouer Boarf. Je participe volontiers, mais je vois pas toujours l'intérêt. Enfin, je vois toujours pas l'intérêt. Ouais. Ouais. Oula, afficher les noms. Allez, la dernière qui s'est consuit. Ah, Rob, monsieur Poupon qui vient pour la dernière course. Oui, mais trop tard pour inscrire la Bibi, hein. Désolé. Ah, bah, on va dessus, Fat Fan. Il n'y aura pas de breton. Eh ouais, papy. Mais je suis choqué. Attendez, je regarde l'intéressé là dont je parlais tout à l'heure. Pardon, je jongle dans mes fenêtres, mais... Ah, ça y est, il y a du monde qui l'a rejoint quand même. Mais je ne changerai pas mon choix. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas salué. Oula, Bastos a déjà rallié l'arrivée. Peut-être un record du monde, tiens. J'ai pas fait gaffe au niveau du chrono, mais c'est possible. Oula, cette course de fou. Oula. Record du monde pour Bastos. GG. On finit sur un record du monde, c'est pas beau. Ah tiens, je vais la mettre en favorite map, tiens. Alors, mince, j'ai même pas annoncé le dernier podium, du coup, je me précipite sur le podium général du Grand Prix. Troisième, moi-même, votre serviteur. Deuxième, Bastos, GG. Et premier, El Chito Fud, ton cousin mexicain. Ah. Ça alors, je pensais que c'était moi. Mais c'est même. Oh, ça revient au même pour le coup. Allez, zou, j'ai zappé. Eh ben, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. C'était cool. On a bien rigolé. Je vais. Alors, attendez, je vais programmer le raid. Alors, déjà, je relis rapidement mon chat. Oui, tu comptais pas jouer, Poupon. Les alertes ne fonctionnent pas. Si. Mais si qu'elle fonctionne normalement, monsieur Poupon. Si. Oui, voilà, que je mette devant à personne. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Que je regarde aussi s'il y a eu des événements spéciaux. Alors, merci pour ta modération, tes clips, ta présence, mon cher fun fan. De rien. Avec le relais de chaîne. Non, c'est bien, ça aurait été un week-end calme. De manière générale, voilà, il y a eu quelques événements spéciaux, mais c'était plutôt hier. Mais c'était génial, merci tout plein. Allez, je vais vous faire l'aveu chez qui on va aller. On va aller chez une connaissance vie réelle qui plus est de... Ah mince, oh, je l'ai pas dans mon interface de... Oh, ils sont chiants avec leur sainte truc Twitch. Comment je peux faire? Voilà, attendez, je vais faire le raid comme ça. Ah non, je vais faire... Mais oui, je peux faire de cette manière-là. Ce sera plus rapide. Une connaissance virréelle de Anthony. Cadeau Anthony.
Et on va aller chez Simon alias Someone le poisson. Le... Je ne sais plus prononcer. Qui fait du Super Mario 64. Voilà, c'est cool. Ah, il est gentil, le garçon. Il a à peine 2 spectateurs ou 3 ou mieux. Oh, il mérite mieux. Il peut diffuser que le soir. Hein, voilà, par rapport à sa vie réelle. Merci à vous toutes et toutes. Prenez soin de vous. C'était génial. Moi, je vous dis rendez-vous samedi prochain en matinée, normalement. Fun fan, demain, t'es de repos, je crois. Mais il devrait y avoir Christella à l'heure du goûter. Monsieur Poupon le soir. Toi, on te retrouve mardi avec Aerostar dès 14h. Oui, c'est ça. C'est cool. Le clip de El Chito. Bastos, peut-être qu'il diffuse demain soir. Enfin, surveillez la chaîne de Bombastos aussi, qui fait en général du 21h minuit en semaine. Voilà, bisous tout plein. Que j'oublie pas de faire vos promos respectives. Merci pour les clips, merci pour tout, c'était cool. Mais là, voilà, la nouvelle semaine arrive, il va falloir bosser. Merci Le Point d'avoir été là. Ciao, ciao. Merci Raigold qui était là aussi. Ceux qui sont restés passifs, hein, bien évidemment, je vous salue. Merci. C'était cool, des bons moments partagés. Allez, je vous dis à samedi matin. On va aller chez l'ami Someone le poisson. Oh, garçon adorable. Pourquoi il y a si peu de spectateurs? En plus, il a de l'humour, il a du talent. C'est ça qui est dingue. Ah là 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 là. Ça devrait pas tarder à zapper. Voilà. Zo, je vais couper mon enregistrement. J'arrête la diffusion. Oula, mon OBS qui met du temps à... Ouais, il y a le décalage aussi à couper le direct. Après, il faut que je coupe l'enregistrement par rapport à ce que je vais diffuser sur YouTube. Ou vous, Doudou. Oula, il en met du temps. Ah oui, il y a un décalage. Ça y est, je...